Le président congolais effectue sa première tournée à l'étranger quelques jours après son investiture. Première étape, l'Angola. Félix Tshisekedi a été reçu par son homologue João Lourenço. Le président congolais a profité de cette première sortie pour vanter l'alternance démocratique en RDC. Pour la première fois depuis 59 ans que le Congo est indépendant, il y a une passation pacifique et civilisée du pouvoir. Par cette passation pacifique et civilisée du pouvoir, le Congo entre dans une période de stabilité par l'inauguration, évidemment, de l'alternance politique dans notre pays. Félix Tshisekedi a rejeté les critiques formulées par son rival à la présidentielle, Martin Fayoulou, qui revendique toujours la victoire. Qu'il présente la preuve de ce qu'il affirme, a fait savoir le nouvel homme fort de RDC. Pour sa part, le président angolais a insisté sur la volonté de renforcer les échanges économiques entre les deux pays voisins. Ensemble, nous pouvons partager des expériences et surmonter la réalité actuelle dans nos pays, à savoir le manque d'infrastructures, d'électrification, d'industrialisation et le chômage, entre autres. Le président congolais poursuit sa tournée régionale par une visite au Kenya.